Bonsoir et bienvenue à Confidence avec Carole. L'émission où les artistes n'ont pas le choix de me confier leurs secrets s'ils veulent avoir leur cachet. Sans plus tarder, on accueille notre premier invité, Pierre Houd. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Peux vous asseoir? Ah. M'asseoir? Oui. Bon. Oups. Vous êtes confortable? Pas vraiment, là, non. Parfait, on part. Alors, on va skipper votre enfance et tel un Wayne Gretzky, on va aller droit au but. Alors, pouvez-vous me dire le plus beau moment de votre carrière? Oh là là, Carole, on me pose souvent cette question. Le plus beau moment de ma carrière, je dirais mon premier match. À RDS. C'était le 16 octobre 1989, dans le Vieux Forum. On avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'exaltation, beaucoup de pression également. Les Capitals de Washington étaient les visiteurs contre le Canadien de Montréal. Comment ne pas oublier un tel moment dans une carrière? Eh bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ben non, c'est juste que j'étais sûr que vous alliez me répondre que c'est quand vous avez appris que votre frère Paul allait animer Lingo. C'est quoi, vous l'aimez pas, votre frère? Ben voyons donc, j'adore Paul, Carole, qu'est-ce que c'est que cette idée? Ah, OK, donc vous êtes jaloux? Non, pas de jalousie entre nous. On a chacun nos carrières, quand même. OK, fait que ça vous a jamais dérangé que ce soit lui le sidekick de Marc Labrèche? Ben non, voyons donc, le sidekick de Marc Labrèche. Peut-être, je l'avoue un petit peu, le sidekick de Jean-Philippe Vautier. Ah ah! Pierre Lambert sort du sac. La pognez-vous? Pierre Lambert, le chat? Oui, je comprends très bien. Je vous disais ça simplement à la blague. C'était juste pour rire. J'ai-tu l'air de trouver ça drôle? Non. Pour revenir à vous, est-ce que c'est vrai qu'avant l'audition de Paul pour le personnage de Ferns dans Les Boys, vous avez chié sur ses textes? Oh, quand même! Qu'est-ce que c'est que cette façon d'abord de s'exprimer, Carole? Et qu'est-ce que c'est que cette idée tordue que vous avez? Bon, alors on laisse Pierre se remettre de ses émotions et on va faire une courte pause. Pierre-Antoine Olivier a perdu son permis. Parce que Pierre-Antoine Olivier a décidé de prendre son char après avoir fumé. Heureusement pour lui, il était tellement gelé qu'il s'est pas rendu compte que le moteur était fermé. Mais moteur fermé ou non, Pierre-Antoine Olivier a eu une contravention. Parce que quand tu as les facultés affaiblies, faut que tu prennes un taxi. Ceci est un message de la sécurité publique qui vous rappelle qu'en go-kart ou en Bentley, tu conduis pas quand t'es gelé. Pour plus d'informations, visitez le www.astorpierreantoineolivier.com. Alors, on est maintenant rendu aux questions en rafale, donc je vous pose une question et vous me répondez sans réfléchir. Ça devrait pas vous poser problème? Non. Bon, super. Alors, faites-moi une phrase avec escarmouche. Escarmouche. Il y en a beaucoup au hockey, mais... Oh, tiens! Si une femme a le rhume et qu'elle doit à nouveau se moucher, escarmouche? Carbono ou carbonara? Carbono. Très bon choix. Il y a moins de chances que vous restez pogné avec du poivre dans les dents. En terminant, est-ce que vous avez un secret à nous dire, quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne en entrevue? Ah, j'aime pas ces questions-là, un secret, se révéler. Mais bon, puisque vous me faites l'honneur de m'inviter à votre émission et que j'ai un cachet, comme vous l'avez dit au départ, tiens, je vais vous dévoiler un secret. Je n'aime pas le pain de viande. Ah, bon, on est deux, moi non plus. Et Marc Denis non plus. Méchant stool, vous stoulez le secret de quelqu'un d'autre? Alors, c'est déjà tout pour Confidence avec Carole. Pas trop déçu, Pierre? Ben, honnêtement, là, un petit peu, oui. Bon, alors, quelque chose à plugger avant qu'on parte? Ah, plugger, ben, en fait, je suis toujours à la description du hockey du Canadien à RDS, la Formule 1, à l'animation de l'antichambre le samedi soir. Super. Fait que pas besoin de t'avertir que tu vas avoir du fun. Parce qu'entendre le frère de Paul dire « Eh bien, coup de théâtre, ma parole, c'est comme se faire des nachos à guacamole. » C'est bien le fun. Bonne semaine. Vous pouvez y aller. Ha ha ha, loft.